Ça s'est passé chez Coé. Bon alors, redis-moi, le prénom c'est Léo. Léo et la demoiselle Eugénie. Eugénie. Ils sont très mignons, ils se feraient beaucoup plus. Ouais, vous voudriez pas sortir ensemble? Non, ça ira. Pourquoi? Oh là là, et tout de suite, c'est toujours les meufs qui disent ça. Hein, il est aussi beau que toi. Non, hein, c'est toujours les gens. Mais pourquoi tu veux pas sortir avec lui? Mais je le connais pas. Et alors? Tu vas pas me faire croire que dans une boum, on roule pas des pelles après deux slow alors qu'on connaît pas le garçon? Enfin, j'en ai fait avant vous. Et les yeux qui brillent. Et moi j'étais DJ, je roulais des pelles à personne, vous croyez que c'était drôle? Pendant les séries de slow, tout le monde roulait des pelles et moi jamais, personne. Oh, coco. Même mon jus d'orange, il était chaud. Parce que le temps où j'y allais, il était... Voici donc les questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu flippes? Attends, merde. Pour la peine, je vais commencer par toi, Léo. Mais c'est du vrai faux. Hein. Vous allez vous affronter à base de vrai ou faux, d'accord? La Camargue est régulièrement inondée par les côtes du Rhône. Vrai ou faux? Allez, vous répondez tous les deux. Vrai, faux, vrai, 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 vrai. Vrai, vrai il pourquoi est mignon, lui. Parce que c'est près de l'eau. D'accord. D'accord. Donc les côtes du Rhône, c'est un vin. Ouais. C'est un vin, donc la Camargue est inondée par les côtes du Rhône. C'est voilà. C'est le Rhône. Ils sont tous bourrés du coup. Le Rhône, c'est un fleuve. C'est le rêve de Marion. C'est du vin. Ouais. Attends, non mais ça va. Oui, non mais vas-y Léo, exprime-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas quoi dire. Donc non. Ça va aller Léo, ça va aller. Il est génial. Eugénie, les Allemands nous ont attaqués en traversant les Pyrénées à Grenoble, vrai ou faux? Bah c'est faux. Pourquoi? Bah parce que... Grenoble, c'est pas dans les Pyrénées. C'est excellent, Jean. Ah, bravo, oh, bravo, Jean. Wow. Yes. Léo, oui. Une région aride est une région très chaude, vrai ou faux? C'est vrai, mais est-ce que c'est sec et c'est chaud? Mais c'est vrai, mais c'est vrai, vrai, bravo, super, bravo, c'est bien, vieux, c'est bravo. Waouh, 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 Eugénie, on continue. Les Égyptiens écrivaient sur des papyrus, vrai ou faux? Des papyrus ou des papyrus? Oh, oh là là, la cul, elle est excellente, excellente. Elle est incroyable. Des papyrus, bien sûr. Léo, le traité de Maastricht a eu lieu en 1992, vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que le traité de Maastricht? Hein? Vrai. Où est Maastricht? Ceux qui étaient pour disaient Maastricht et ceux qui étaient contre disaient Maastricht. Le traité de Maastricht. Non, c'est au un peu Portugal. Plus haut. Un peu plus haut. C'est en Hollande. Il me répète. Qui a dit en Allemagne? Qui a dit en Allemagne? Moi. T'es en Hollande, Maastricht. Ah. Attention. Tiens, pour la peine, Eugénie. Tous les fleuves se jettent dans la mer, vrai ou faux? Bah, c'est vrai. T'es sûr? Moi, j'en sais rien. À côté, il dit heureusement qu'on me l'a pas posé à moi. Eh bien, justement, Léo, tous les fleuves se jettent dans la mer, vrai ou faux? Ah, putain. Eh, les gars. Par définition. Ouais, vrai. C'est vrai. Bah, oui, bah oui, bah oui, bah oui. En France, Léo, le relief couvre 8% des mers émergées. Tiens, bang. Merde émergée. Ouais. Le relief couvre 8% des mers émergées, vrai ou faux? Vrai. Le relief. Non, j'ai rien compris ça. J'ai pas compris. Mais ça veut rien dire. En fait, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Si vous avez cette question, le relief couvre 8% des mers émergées, ça ne veut rien dire. La demoiselle, un septuagénaire est un losange à sept côtés, vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Bah, je sais pas. Ça existe pas, non? Si. Ah si, en mathématiques. Bon, ah ouais. En mathématiques, un septuagénaire, c'est à 6 ou à 7 côtés? Un septuagénaire? Oui. Mais quoi? Mais quoi? J'en sais rien. Alors? Non mais c'est un septuagénaire. Léo, un septuagénaire, c'est 6 ou 7 côtés? Qu'est-ce qu'un septuagénaire? Ah oui, mais il n'y en a pas 7. Hein? Si. Non. Quoi? Lui, on a l'impression qu'il passe vraiment son brevet. Oui, non. Ah, je ne sais plus. Non, un septuagénaire, c'est un monsieur qui a 70 ans. Oh, Léo, les bateaux de Christophe Colomb, Léo. Oui. Bah voilà, c'est appelé la Pinta, la Nina et la Santa Barbara, vrai ou faux? Il n'y a pas Santa Barbara. Mais comment? Alors, vous pourriez répéter les deux. Pinta, Nina et... Ah, il a bien révisé. Allez, la question. Santa Maria. Maria? Non, je sais pas. Si, je te jure. Bonjour, je suis Jean-Louis Passure. On termine avec toi. Désolé. Un litre d'eau à 20 degrés, plus un litre d'eau à 20 degrés, ça fait 2 litres d'eau à 40 degrés, vrai ou faux? Bah c'est faux, ça fait 2 litres d'eau à 20 degrés. Oh, elle est brillante. Elle est brillante, la petite, oh elle est bonne. Là, mais c'est alors, pour ça qu'elle va à Bali et qu'il va à Noirmoutier. Le truc, c'est que c'est toutes les conneries qu'on a balancées, les trucs faux, viennent de perles du. Du brevet. Du brevet, des trucs qui ont été vraiment dit, quoi. Donc il y a bien un mec qui a dit que c'était la Santa Barbara. Oui, bon, les deux, on va vous offrir des cadeaux, des bravo. Machins. Bravo Léo, bravo mademoiselle.